Bienvenue dans ce nouveau module consacré aux effets du changement climatique sur le bien-être des enfants. Dans la première partie du cours, nous définissons le climat et la situation météorologique et expliquons pourquoi nous nous focalisons sur les conséquences des événements météorologiques et des chocs météorologiques plutôt que sur le changement climatique. Nous présentons ensuite brièvement la façon avec laquelle les événements météorologiques sont mesurés dans la littérature économique et les principales sources de données que les économistes utilisent pour analyser leurs effets. Dans la deuxième section, nous présentons les mécanismes à travers lesquels les événements météorologiques ont des effets à court terme sur plusieurs dimensions de la vie des enfants. Dans la troisième section, nous introduisons ces différentes dimensions que sont la santé, l'éducation et l'apprentissage, le travail, la migration, le mariage et la fertilité, et présentons les principaux résultats de la littérature économique sur les effets à court terme des événements météorologiques sur chacun d'eux. Nous discutons dans la section 4 des effets à long terme des événements météorologiques. Enfin, nous concluons en discutant les potentielles solutions pour limiter les effets négatifs des événements météorologiques sur le bien-être des enfants. Commençons par nous intéresser aux définitions et aux données. D'après la National Oceanic and Atmospheric Administration, NOAA, le climat est défini comme la moyenne de long terme de la situation météorologique sur plusieurs décennies. Ainsi, lorsqu'on parle du changement climatique, on parle des changements à long terme dans la moyenne du temps qu'il fait. Par exemple, pour les températures, l'augmentation de la température moyenne observée d'environ 2 degrés depuis l'ère pré-industrielle en 1900 est considérée comme un changement dans le climat. Le climat est ainsi illustré par un certain nombre d'événements qui progressent lentement, tels que l'augmentation des températures, la désertification, la perte de biodiversité, la dégradation des terres et des forêts, le recul glaciaire, l'acidification des océans, l'élévation du niveau de la mer, la salinisation. Ces événements sont à peine perceptibles pour les êtres humains dans leur vie quotidienne et ont alors des conséquences économiques limitées, du moins à court terme. Le changement climatique rend l'occurrence des événements météorologiques extrêmes, tels que les tempêtes tropicales, les inondations et les sécheresses plus fréquentes. Et ce type d'événements météorologiques ont des conséquences économiques bien plus importantes. Ces dernières décennies, de plus en plus de recherches sur l'effet des événements climatiques, tels que les températures, les précipitations ou les cyclones, sur des variables économiques ont émergé dans la littérature. Ces études utilise généralement des méthodologies de panel pour identifier les effets du nombre élevé de changements dans les précipitations, les températures et d'autres variables climatiques. Les économistes s'intéressent à la fois aux effets des variations météorologiques et aux événements climatiques extrêmes sur des variables économiques. Quelques définitions sont utiles à ce niveau. Dans les littératures économiques, le terme variation météorologique est utilisé pour parler des variations climatiques de court terme, tandis que le terme climat est utilisé pour décrire la distribution de la variable climatique sur une longue période de temps, par exemple l'amplitude des précipitations annuelles à Madagascar au cours d'un siècle. Le terme choc météorologique est largement utilisé dans la littérature économique. Nous pouvons définir un choc météorologique pour une entité spatiale donnée et pour une période donnée, comme une réalisation particulière de la variable météorologique qui dévie de la tendance centrale de la distribution de long terme. À ce titre, les déviations de la tendance centrale, qu'elles soient extrêmes ou moins extrêmes, peuvent être considérées comme des chocs météorologiques. Un cyclone est un choc météorologique car la vitesse du vent est plus élevée que la vitesse usuelle. Les sécheresses sont des chocs météorologiques car la quantité de pluie est plus faible que d'habitude. Aussi, en suivant cette définition, des précipitations de 20% supérieures à la normale au niveau local peuvent aussi être considérées comme un choc météorologique. Comme les économistes sont principalement intéressés par les effets de court terme de la variation des variables climatiques, la littérature économique se focalise sur les effets de la variation météorologique ou des chocs météorologiques plutôt que sur le changement climatique qui est un processus beaucoup plus lent. Cela ne veut pas dire que les événements climatiques n'ont pas d'effet sur le bien-être des enfants. Dans la littérature épidémiologique et des sciences environnementales, il existe des évidences sur les effets des événements climatiques sur la santé des enfants et le revenu des ménages, qui est l'un des déterminants du bien-être des enfants. Par exemple, il a été prouvé par Khan et ses co-auteurs en 2011 qu'au Bangladesh,
L'élévation du niveau de la mer conduit à la présence d'eau salée dans l'eau potable, ce qui augmente le risque d'hypertension pendant la grossesse, l'une des principales causes des décès périnataux dans les pays en développement. Il y a aussi des évidences anecdotiques sur la fonte des glaciers, qui réduit la disponibilité en eau douce dans les pays qui dépendent de la fonte saisonnière des glaces, comme l'Himalaya ou au Pérou. On parle aussi de l'acidification des océans, qui détruit la barrière de corail, entraînant alors des pertes pour le secteur de la pêche et les ménages qui en dépendent. Les événements météorologiques sont mesurés de manière différente. On peut s'intéresser à la mesure de la fréquence à laquelle une réalisation météorologique appartient à certains intervalles. Par exemple, pour les températures, on peut calculer le nombre de jours dans une année lors desquels la température est comprise entre 0 et 5 degrés. On peut s'intéresser à la mesure de la déviation en niveau de la moyenne de long terme. Par exemple, toujours pour les températures, on peut mesurer la déviation de la température moyenne en degrés Celsius enregistrée à l'année T par rapport à la moyenne des températures de long terme dans la même zone. Quand ils mesurent les déviations, les auteurs calculent souvent la variation en niveau par rapport à la moyenne de la zone et la divisent ensuite par l'écart-type de la zone. Avec cette approche, les changements en niveau ne sont pas importants en termes absolus, mais en termes relatifs, par rapport à la variation usuelle dans la zone. Pour les événements climatiques extrêmes, différentes mesures peuvent être utilisées selon l'objectif du chercheur. On peut se demander si un événement a eu lieu sur une période spécifique. Dans ce cas, on peut utiliser des variables muettes, par exemple pour indiquer si une sécheresse ou un cyclone ou une inondation a eu lieu lors d'une année spécifique dans un pays ou une zone de ce pays en particulier. On peut définir une variable muette égale à 1 si une sécheresse a eu lieu, 0 sinon. On peut aussi compter le nombre d'événements météorologiques extrêmes qui ont eu lieu dans une zone pendant la période d'intérêt. Par exemple, on peut comparer le nombre de sécheresses qu'un individu a connues pendant son enfance. Enfin, pour certains événements extrêmes, on peut calculer leur sévérité. Par exemple, pour les cyclones, nous pouvons utiliser l'échelle du souffle des ouragans de Saffir-Simpson, qui classe les cyclones en 5 catégories sur la base de la vitesse du vent de 1 pour une sévérité faible, entre 119 et 153 km/h, à 5 pour une sévérité importante, plus de 252 km/h. Ou pour les sécheresses, on peut utiliser le SPEI, l'indice de précipitation évapotranspiration standardisé, élaboré par Vicente Serrano et ses co-auteurs en 2010, qui est basé sur les données de précipitation et de température mensuelle et qui présente à la fois des valeurs positives et négatives, identifiant respectivement les événements secs et humides. Par exemple, un SPEI inférieur à moins 2 indique une sécheresse extrême, tandis qu'un SPEI entre moins 1 et moins 1,49 représente une sécheresse modérée. Les données météorologiques proviennent de différentes sources. Les données de précipitation et de température sont collectées par des stations météorologiques et des satellites. Dans cette diapositive, nous présentons les principales sources de données pour les stations météorologiques. Le principal problème des données de stations météorologiques dans les pays en développement est que la qualité des données dépend de la disponibilité d'un nombre suffisant de stations pour permettre de couvrir la plupart des zones du pays. Dans les pays en développement, le budget alloué à la surveillance de la météo est assez faible. Le nombre de stations météorologiques est limité et l'entrée et la sortie des stations météorologiques de la base de données sont assez communes. Pour ces raisons, plusieurs unités de recherche ou projets, comme le CRU de l'University of East Anglia, ont décidé d'interpoler des données provenant de différentes stations météorologiques pour produire une couverture complète pour la température et les précipitations pour tous les pays du monde et l'entièreté des pays. Les données de température et de précipitation sont généralement journalières et sont données pour des zones d'environ 10 km². Cependant, ce genre de données présente aussi des problèmes, notamment pour les précipitations, car elles ont une plus grande variabilité au niveau de l'espace. Ainsi, les interpolations peuvent conduire à des données de faible qualité pour des zones qui sont loin des stations météorologiques. Les données de température et de précipitation sont aussi collectées par les satellites. Puisque la collecte de ces données a commencé plus tard, l'horizon temporel de ces données est plus court. Aussi, ces données couvrent généralement des zones géographiques plus larges. Une source de données intéressante est le SHIPS du Climate Hazard Center, qui combine les mesures de différentes stations météorologiques à des données satellitaires pour produire des données quadrillées pour les précipitations.
Les données sur les cyclones sont généralement disponibles à une résolution de 0,1 degré. Les données produites par la Global Risk Data Platform offrent non seulement des informations sur l'occurrence d'un cyclone dans la zone quadrillée, mais aussi sur son intensité, l'exposition physique et économique de la zone au cyclone et estiment le risque global des cyclones tropicaux dans la zone. Parfois, différentes sources de données météorologiques donnent des informations un peu différentes. Pour cette raison, quand c'est possible, comparer les résultats qui utilisent différentes sources de données est un bon test de robustesse. Dans la littérature microéconomique que nous allons étudier, les chercheurs combinent des informations individuelles ou au niveau du ménage issues de données d'enquête avec des conditions météorologiques de la localité dans laquelle le ménage réside. Cette technique est possible car la plupart des enquêtes indiquent les coordonnées GPS de la localisation des ménages enquêtés. Comme expliqué plus haut, les données météorologiques sont généralement quadrillées. En microéconomie, afin d'utiliser des données météorologiques combinées avec des données d'enquête, les chercheurs associent chaque endroit où a été menée l'enquête avec des données météorologiques de la cellule du quadrillage dans laquelle le ménage réside. Par ailleurs, puisque la plupart des sources de données contiennent des données météorologiques journalières, les chercheurs agrègent la plupart du temps ces données sur une période de temps plus longue, comme le mois, la saison ou l'année, en fonction du champ d'application de leurs analyses et de la période durant laquelle les données d'enquête ont été collectées. Par exemple, un choc agricole dans une zone rurale aura un effet plus fort sur les conditions de vie des agriculteurs quand il a lieu lors de la saison agricole. Quand ils sont intéressés à mesurer l'effet d'une sécheresse sur une population rurale, les chercheurs peuvent vouloir agréger des données pluviométriques sur la saison agricole uniquement, sans considérer la pluviométrie en dehors de la saison agricole. Regardons maintenant quand et comment les événements météorologiques affectent les enfants. Les événements météorologiques peuvent avoir des effets importants sur plusieurs dimensions du bien-être des enfants: la santé, l'éducation, le travail, la migration, le mariage et la fertilité. Ces effets passent par différents canaux. Dans le reste du cours, nous allons présenter les différents résultats de la littérature sur chacune de ces dimensions. La plupart des effets que nous allons décrire se manifestent à court terme, c'est-à-dire immédiatement ou après une courte période de temps après le choc météorologique. Mais certains peuvent aussi avoir des effets à long terme, c'est-à-dire qu'ils peuvent affecter une personne tout au long de sa vie. C'est le cas, par exemple, des chocs météorologiques qui sont subis par les enfants in utero ou dans les premières années de l'enfance qui peuvent affecter le capital humain à l'âge adulte. Dans ce qui suit, nous présentons tout d'abord quels sont les canaux à travers lesquels les événements météorologiques peuvent avoir des effets à court terme sur un certain nombre de variables relatives aux enfants. Ensuite, nous présentons les principaux résultats de la littérature sur les effets à court terme sur chacune de ces variables. Ensuite, nous expliquons comment certains événements peuvent avoir des effets à long terme sur le bien-être des enfants. Un événement météorologique peut affecter les variables économiques à travers trois mécanismes principaux. Le plus évident est probablement l'effet destructeur qui concerne en particulier les événements météorologiques les plus sévères. En parallèle, les autres effets transitent à travers ce qu'on appelle l'effet revenu et l'effet du coût d'opportunité. Nous présentons maintenant les trois mécanismes. Les chocs météorologiques ont des effets immédiats sur les variables économiques quand ils sont très sévères. Ici, nous faisons référence en particulier aux événements météorologiques extrêmes qui ont un pouvoir destructeur comme les sécheresses sévères, les inondations et les orages tropicaux. Tout d'abord, ce genre d'événement conduit souvent à des pertes de vie humaine et à la destruction du capital physique et des infrastructures avec des conséquences économiques désastreuses évidentes. Les cyclones Elita et Kafilo ont tué des centaines de personnes, ont laissé 200 000 personnes sans abri et ont détruit 1 400 écoles à travers Madagascar. Par ailleurs, la santé de certaines personnes sont sévèrement affectées lors de ces chocs, à la fois directement avec l'augmentation des handicaps, mais aussi indirectement avec une augmentation du développement des épidémies, la perte de personnel médical ou l'augmentation des problèmes de santé mentale. L'éducation est directement affectée par la destruction des infrastructures scolaires, mais aussi par la perte des professeurs qui, comme le corps médical et d'autres travailleurs clés, peuvent être personnellement affectés par le choc et être incapables d'enseigner. La destruction du capital humain et physique, due à un événement climatique extrême, engendre d'importantes pertes de revenus, à la fois pour les ménages, mais aussi pour l'État. Même quand le choc météorologique a un faible pouvoir de destruction, il peut tout de même affecter les variables économiques à travers deux canaux principaux, le revenu
et le coût d'opportunité. Afin d'illustrer ces deux canaux, utilisons un exemple. Imaginons que l'on veuille étudier l'effet d'un événement météorologique négatif sur l'éducation et le travail des enfants dans une zone rurale où l'agriculture est la principale source de revenus, comme dans l'article de Marchetta et les co-auteurs en 2018. Dans ce contexte, un déficit de pluie par rapport à la tendance locale pendant la saison agricole est considéré comme un choc négatif. Un choc météorologique négatif réduit la production agricole et diminue ainsi le revenu disponible du ménage pendant la saison agricole. Cela implique que la contrainte budgétaire du ménage est plus serrée, ce qui peut le conduire à retirer l'enfant de l'école et lui demander d'entrer sur le marché du travail pour aider la famille. Cet effet est appelé l'effet revenu ou l'effet direct du choc météorologique. Dans notre exemple, l'effet revenu est négatif sur l'éducation et positif sur le travail des enfants. Plus généralement, quand un ménage est touché par un choc météorologique négatif, il souffre généralement d'une perte de revenus, surtout s'il réside en milieu rural. La diminution du revenu a d'importantes conséquences sur plusieurs aspects de la vie de la famille, notamment les aspects concernant les enfants tels que l'éducation, le travail, la santé, etc. Nous verrons cela en détail dans la prochaine section du cours. Mais nous pouvons anticiper que, par exemple, la baisse du revenu induite par un choc économique négatif peut obliger les ménages à diminuer leurs dépenses de santé avec des effets délétères sur la santé des enfants. Cela peut aussi les conduire à marier leur fille plus tôt, dans les zones où le prix de la mariée est pratiqué, afin de réduire leurs contraintes budgétaires. Revenons à notre exemple. De moins bonnes conditions météorologiques conduisent à une diminution de la productivité du travail et du coût d'opportunité de la scolarisation. Les parents peuvent être amenés à envoyer leurs enfants à l'école car leur productivité au travail est faible. Cet effet est appelé l'effet coût d'opportunité ou effet indirect du choc météorologique. Dans notre exemple, le coût d'opportunité est positif pour l'éducation et négatif pour le travail des enfants. Dans notre exemple, les deux effets sont de signes opposés. Cela veut dire que l'effet global est ambigu et doit être déterminé de manière empirique. En fonction des variables que l'on veut étudier, les deux effets peuvent aller dans la même direction ou non. Par exemple, si on étudie l'effet des pénuries de pluie sur la fertilité dans une zone où le prix de la mariée est pratiqué, on peut imaginer qu'une réduction dans le revenu du ménage due au manque de pluie peut conduire à une anticipation du mariage et de la grossesse. Mais une anticipation de la grossesse peut aussi être liée au coût d'opportunité d'avoir un enfant plus faible pour les femmes. Dans ce cas, les deux effets vont dans le même sens. Nous reviendrons sur ce point plus tard dans le cours. Quels sont les effets à court terme des événements météorologiques? Nous présentons désormais les principaux résultats dans la littérature économique concernant les effets à court terme des événements météorologiques vécus durant l'enfance sur le bien-être des enfants. Nous commençons par présenter les résultats sur la santé des enfants. Ici, nous pouvons distinguer les chocs vécus in utero et les chocs météorologiques vécus pendant la petite enfance. Les chocs météorologiques vécus in utero conduisent tout d'abord à une plus faible probabilité de survivre avant d'atteindre l'âge d'un an. Par exemple, Mirick, en 2021, a montré qu'une augmentation d'un degré dans les pays les moins développés conduisait à une augmentation du nombre d'enfants mourant avant un an de 2,25 pour 1000 naissances vivantes. Rocha et Suarez, en 2015, ont trouvé un résultat similaire au Brésil, où un choc de pluie négatif implique une plus grande mortalité infantile, des grossesses plus courtes et de plus faible poids à la naissance. En Jamaïque, les bébés qui ont subi les ouragans ou les tempêtes tropicales in utero sont aussi plus susceptibles d'avoir des poids de naissance plus faibles, d'après Berman et Pecha en 2020. Ils présentent aussi de moins bonnes mesures anthropométriques, poids pour taille et taille pour âge, pendant les 5 premières années de leur vie. Abiona, en 2017, trouve des résultats similaires après des chocs de pluie au Malawi. Abiona trouve aussi que les chocs de pluie vécus après la naissance, mais avant l'âge de 2 ans, influencent les mesures anthropométriques de l'enfant des 5 premières années de sa vie. Cependant, les chocs subis in utero sont ceux avec les plus grands effets sur les mesures anthropométriques pendant la petite enfance. Ces résultats sont similaires à ceux d'Odinot et Kinsey en 2001, qui ont montré que les enfants âgés de 1 à 2 ans grandissaient moins vite après une sécheresse au Zimbabwe. Il est à noter que ces auteurs ont montré que le rattrapage de croissance était limité, ce qui indique que cette croissance limitée a des effets permanents. De même, Dattar et ses co-auteurs en 2012
ont observé qu'une exposition à un désastre naturel l'année précédente réduisait les Z-scores de la taille et du poids pour l'âge et augmentait la probabilité de retard de croissance et de sous-poids pour les enfants de moins de 5 ans en Inde. Cela réduit aussi la probabilité d'avoir une couverture vaccinale adaptée à son âge. Dattar et ses co-auteurs en 2012 ont aussi observé des conséquences négatives immédiates de l'exposition à un désastre naturel sur les maladies. Diarrhée, fièvre, maladies respiratoires aiguës sont plus susceptibles d'apparaître pour les enfants de moins de 5 ans le mois suivant un événement météorologique. L'exposition à ces chocs météorologiques extrêmes augmente aussi la prévalence des problèmes de santé mentale. Dans le sud de la Thaïlande, les enfants de 7 à 14 ans étaient plus susceptibles de souffrir de symptômes post-traumatiques et de dépression dans les provinces affectées par le tsunami de 2004, 2 à 4 mois après le choc, d'après Tien Krua et ses co-auteurs en 2006. Quels sont les mécanismes qui expliquent les effets des chocs météorologiques sur la santé des enfants que nous avons présentés précédemment? Nous retrouvons les trois canaux que nous avons déjà présentés. Tout d'abord, l'effet destructeur. Les chocs météorologiques ont un effet destructeur sur l'environnement, ce qui conduit à une augmentation des maladies et des problèmes de santé. Par exemple, le manque d'eau pendant les sécheresses peut causer une augmentation des maladies transmises par l'eau, comme les diarrhées, à cause de la consommation d'eau impropre et de la réduction des mesures d'hygiène. Cela a été montré par Bandyopadhyay et ses co-auteurs en 2012 en Afrique subsaharienne et par Rocha et Soares en 2015 au nord-est du Brésil. De même, l'eau peut être contaminée après une inondation, ce qui peut relâcher des eaux usées dans les conduits d'eau. Un autre exemple, dans les zones où le paludisme est endémique, une augmentation importante des précipitations peut amener davantage de moustiques et ainsi accroître la prévalence du paludisme. Cela a été observé par Kodamatsu et ses co-auteurs en 2012 en Afrique subsaharienne. De même, Henry et Dos Santos en 2012 ont montré qu'un déficit de pluie diminuait le risque de mort associé au paludisme pour les enfants de moins de 5 ans au Burkina Faso et au Mali. L'effet revenu a aussi un rôle à jouer. Tout d'abord, un choc météorologique négatif, notamment pour les ménages ruraux, réduit la production, y compris la production pour l'autoconsommation. Ceci, couplé avec une diminution plus générale du revenu du ménage, peut entraîner une diminution de l'apport calorique et de la variété de nourriture pour les enfants, causant ainsi des problèmes de malnutrition et de sous-nutrition. La malnutrition augmente aussi à cause de la hausse des prix alimentaires due à la plus faible production et à une faible disponibilité de la nourriture. Finalement, la baisse du revenu due à un choc météorologique négatif peut forcer les ménages à réduire leurs dépenses de santé. Comme nous en avons discuté dans la diapositive précédente, les chocs météorologiques affectent la santé des enfants tout au long de leur enfance. L'état de santé a une influence sur l'éducation et l'apprentissage. La malnutrition et la sous-nutrition sont effectivement corrélées à un faible développement cognitif. Ainsi, les événements météorologiques négatifs subis pendant la petite enfance influencent directement la scolarité et l'apprentissage à travers leurs effets sur la santé des enfants. Plusieurs résultats concernant les pays en développement existent dans la littérature. La malnutrition subie dans les années précédant l'entrée à l'école à cause d'une sécheresse a des effets à long terme sur le niveau d'éducation au Zimbabwe, comme démontré par Alderman et al. En 2006. Les enfants exposés à des inondations pendant la petite enfance ont des scores plus faibles en développement du langage, travail de mémoire et en capacité de raisonnement spatio-visuel entre 2 et 6 ans au Mexique, comme l'ont montré Aguilar et Vaccarelli en 2011. De plus, les filles qui ont subi une sécheresse avant leurs 5 ans ont des compétences cognitives plus faibles entre 11 et 14 ans au Kenya, comme démontré récemment par Nubler et ses co-auteurs. Elles sont aussi plus susceptibles de ne jamais aller à l'école et quand elles sont scolarisées, elles ont un niveau scolaire plus faible. La réussite scolaire plus faible des filles qui ont subi un choc dans leur petite enfance est principalement expliquée par Nubler et ses co-auteurs, par leur mauvais état de santé qui façonnent leur attitude et leurs attentes envers leur éducation. Les événements climatiques ont aussi des effets immédiats sur l'éducation et l'apprentissage quand ils sont subis pendant les années d'école. Tout d'abord, en cas d'événements météorologiques extrêmes, comme un cyclone ou une inondation, les écoles et les infrastructures de transport peuvent être détruites et les professeurs peuvent être personnellement affectés par le choc et incapables d'enseigner. Même quand le choc ne détruit pas les infrastructures, la scolarisation des enfants peut être précaire
en particulier dans les zones rurales où les revenus dépendent fortement de la productivité de la terre. Ici, nous trouvons encore les canaux du revenu et du coût d'opportunité qui ont des effets opposés. Cette fois-ci, prenons l'exemple d'un choc météorologique positif, comme une pluviométrie plus élevée que la normale. D'un côté, si les ménages subissent un choc météorologique actif, la productivité de la terre augmente. Les revenus de la production agricole augmentent aussi, et ce revenu supplémentaire peut être utilisé pour payer les coûts directs de l'éducation et maintenir les enfants à l'école. De plus, les ménages ont moins besoin de faire travailler les enfants pour avoir un revenu supplémentaire. D'un autre côté, l'augmentation des salaires agricoles augmente le coût d'opportunité d'aller à l'école. Les ménages peuvent alors être enclins à s'appuyer sur le travail des enfants. L'augmentation de leur charge de travail peut les conduire à abandonner l'école ou au moins à avoir des moins bons résultats scolaires. La prévalence de l'effet revenu ou de l'effet du coût d'opportunité dépend du contexte et du degré d'imperfection des marchés de l'épargne, du crédit, de l'assurance et du travail. Ce tableau décrit les principaux résultats de la littérature à ce sujet. Quand le canal du revenu l'emporte, cela signifie que les auteurs trouvent qu'un choc positif a un effet positif sur l'éducation et un effet négatif sur le travail des enfants, ou qu'un choc négatif a un effet négatif sur l'éducation et un effet positif sur le travail des enfants. Par exemple, Marchetta et ses co-auteurs en 2018 ont trouvé qu'à Madagascar, l'effet revenu l'emporte. Cela signifie qu'un déficit de pluviométrie diminue la probabilité qu'un enfant aille à l'école et augmente la probabilité qu'il entre sur le marché du travail. À l'inverse, quand le coût d'opportunité l'emporte, des chocs positifs conduisent à de moins bons indicateurs d'éducation et à davantage de travail des enfants et des chocs négatifs à de meilleurs indicateurs d'éducation et à moins de travail des enfants. C'est le cas dans le papier de Zimmermann en 2020 qui trouve en Inde que les chocs de pluie négatifs augmentent la scolarisation et le niveau d'éducation et diminuent la probabilité de travailler pour les enfants de moins de 15 ans. Les études citées ici utilisent généralement la présence en classe ou la scolarisation comme variable, mais certaines s'intéressent aussi à l'apprentissage. C'est le cas de Björkman, Nyqvist en 2013 ou encore Marchetta et ses co-auteurs en 2018, qui montrent qu'un choc météorologique négatif a des effets négatifs sur les scores à des tests cognitifs l'année suivante. Ce résultat est cohérent avec celui trouvé sur l'éducation, indiquant que dans ce contexte, l'effet revenu prévaut. Au contraire, en Inde, Shah et Steinberg, en 2017, ont trouvé que quand un choc positif a lieu pendant l'âge scolaire, l'effet coût d'opportunité prévaut et les enfants ont de moins bons résultats en mathématiques. Il faut savoir que la littérature économique, par exemple, Degenvry et co-auteur en 2006, a bien démontré qu'une fois qu'un enfant avait abandonné l'école après un choc temporaire, n'importe quel type de choc, pas seulement les chocs météorologiques, il a peu de chances de revenir à l'école plus tard. Cela signifie que si l'effet d'un choc météorologique négatif sur l'éducation est négatif, parce que le canal du revenu prévaut, cet effet est non seulement immédiat, mais dure aussi dans le temps. La prévalence de l'effet revenu ou de l'effet coût d'opportunité dépend aussi des caractéristiques de l'enfant qui influencent sa productivité. Si le choc a lieu à un âge où l'enfant est capable de travailler et donc peut être considéré comme substituable à un enfant pour le travail extérieur ou domestique, il est plus probable que le coût d'opportunité l'emporte. Par exemple, Shah et Steinberg en 2017 ont trouvé qu'en Inde, un choc de pluie positif augmente la probabilité qu'un enfant abandonne l'école s'il a entre 11 et 15 ans, mais pas s'il a entre 5 et 10 ans. Le genre de l'enfant a aussi un rôle à jouer. Après un choc qui affecte négativement la production agricole, les ménages agricoles cherchent des activités génératrices de revenus alternatives. Leur demande pour la participation de l'enfant dans la production domestique peut alors augmenter pour remplacer les adultes qui travaillent à l'extérieur. Comme les filles sont perçues comme étant plus productives que les garçons en termes de production domestique, c'est principalement leur niveau d'éducation et leur apprentissage qui souffrent d'un choc météorologique négatif, d'après Björkman Nyqvist en Ouganda en 2013. D'un autre côté, si après un choc météorologique extrême, les ménages ont surtout besoin de travaux de réparation, l'éducation des garçons en pâtira le plus. C'est ce qui a été prouvé par Takasaki en 2017 dans les zones rurales de Fidji après un cyclone tropical. La plupart du temps, les chocs météorologiques accélèrent la transition de l'école au travail à cause des imperfections du marché. Par exemple, Marchetta et ses co-auteurs en 2018
constate que les écarts négatifs de pluviométrie et les cyclones incitent les jeunes malgaches à entrer dans la vie active et à abandonner l'école. L'effet est plus fort pour les ménages les moins riches, qui ne peuvent pas avoir accès aux marchés de crédit et de l'épargne pour faire face au choc. Les marchés du travail sont également importants pour atténuer l'effet des chocs climatiques sur le travail des enfants en cas de choc affectant positivement la productivité. Dumas, en 2020, démontre que les parents n'aiment pas le travail des enfants. S'ils ont accès à un marché du travail, ils préfèrent embaucher des travailleurs non domestiques en réponse à un choc positif de productivité plutôt que de recourir au travail des enfants en Tanzanie. Nous passons maintenant à l'étude des effets des chocs climatiques sur la migration des enfants. La migration des enfants est un phénomène avec de multiples facettes. Les enfants peuvent migrer avec leur famille ou seuls. Le déplacement de la famille entière peut être une conséquence de chocs climatiques extrêmes. Dans ce cas, les familles touchées se déplacent généralement vers d'autres régions du pays ou dans les pays voisins qui n'ont pas été touchés par le choc. Nous nous concentrons ici sur un autre type de migration des enfants. Nous essayons de démêler les raisons pour lesquelles un choc climatique peut inciter les enfants à migrer seuls, laissant le reste de leur famille au pays. Les enfants qui migrent seuls se déplacent le plus souvent à l'intérieur du pays et migrent généralement pour étudier, pour travailler, pour un autre ménage ou se marier. Pourquoi les enfants migrent-ils en raison d'un choc climatique? La migration des enfants peut être utilisée par les ménages comme un outil de gestion des risques. Elle peut être utilisée comme une stratégie pour prévenir les effets négatifs d'un choc climatique ou comme un moyen d'y faire face. La migration des enfants peut être utilisée comme une forme d'assurance contre les effets négatifs d'un choc climatique défavorable. Le fait d'avoir un ou plusieurs membres de la famille qui vivent ailleurs permet aux ménages de compter sur eux si un événement météorologique négatif affecte le lieu où ils résident. Comme les membres vivant à l'extérieur des zones ne sont pas affectés, ils peuvent envoyer des fonds pour aider leur famille à faire face au choc. Le transfert de fonds peut être utilisé pour acheter de nouveaux actifs au cas où ils auraient été détruits par un événement climatique extrême ou pour desserrer la contrainte budgétaire qui pourrait être plus serrée en raison du choc climatique. Dans certains contextes, les ménages s'assurent contre le risque spatial par le mariage. En Inde, par exemple, le mariage par la migration est une stratégie très courante. Les parents marient leurs filles avec des conjoints qui vivent dans des régions éloignées de leur domicile afin de se protéger d'un éventuel choc qui pourrait affecter leur région d'origine, mais pas le pays tout entier. Souvent, ces filles sont mariées à un très jeune âge, alors qu'elles sont encore des enfants. Davantage de détails sur le mariage des enfants et les chocs climatiques seront fournis dans la diapositive suivante. La migration des enfants peut être utilisée comme une stratégie d'adaptation par la famille. Les parents peuvent demander à l'enfant de migrer en réponse à un choc climatique. Si le choc resserre la contrainte budgétaire de la famille, les enfants peuvent être envoyés dans un autre ménage pour réduire la consommation de leur ménage d'origine. En outre, s'ils travaillent, ils peuvent envoyer des fonds. Il a été prouvé par Akrèche en 2009 que les ménages qui subissent un événement agricole inattendu mais pas nécessairement lié au climat sont plus susceptibles d'envoyer une fille de 5 à 15 ans dans un autre ménage au Burkina Faso. Les ménages disposant d'un bon réseau en dehors de leur zone d'habitation pourraient facilement utiliser la migration comme outil de gestion des risques. L'utilisation de la migration des enfants comme mécanisme d'adaptation n'est pas possible pour tous les ménages. La migration a toujours un coût qui n'est pas facile à assumer pour les ménages pauvres. Et les événements météorologiques défavorables pourraient les appauvrir davantage, comme l'ont montré Azari et Signorelli en 2020. Comme nous l'avons vu, dans le cas de la migration, le canal du revenu a des effets contrastés. D'une part, en diminuant le revenu, un choc climatique négatif induit la migration d'un ou plusieurs membres du ménage, y compris les plus jeunes. D'autre part, la diminution du revenu rend la migration moins probable parce que les coûts de la migration ne peuvent pas être supportés. Le canal du coût d'opportunité est en revanche sans ambiguïté. Lorsque la productivité du travail diminue en raison du choc climatique dans les zones touchées, le coût d'opportunité de la migration hors de la zone d'origine diminue également, ce qui pousse à la migration. La littérature étudie de plus en plus la façon dont la migration est utilisée comme stratégie d'adaptation ou de survie pour faire face à des événements météorologiques défavorables. Peu d'auteurs ont analysé les modèles de migration induites par les conditions météorologiques en fonction de l'âge, et seules quelques études ont exploré les effets du changement climatique sur la migration des enfants.
Il a été démontré par De France et Guibert en 2020 pour le Mali et par Baez et ses co-auteurs en 2017 pour le nord de l'Amérique latine et les Caraïbes que les jeunes entre 15 et 25-29 ans sont les plus susceptibles de migrer après une sécheresse ou un manque de précipitations. Les effets des variations des précipitations et de température sur les enfants ont été explorés par Wendreb en 2020 pour l'Afrique subsaharienne, mais il n'a pas trouvé de résultats concluants. Comme nous l'avons vu précédemment, le mariage d'un enfant peut être une stratégie pour s'assurer contre les conséquences négatives des chocs climatiques lorsque le mariage d'un enfant implique une relocalisation de l'enfant dans une zone géographique différente. Plus généralement, le mariage des enfants peut être influencé par l'occurrence d'un choc climatique de différentes manières. En cas de choc climatique défavorable, les parents peuvent décider de marier un enfant, plus souvent une fille, afin de réduire la consommation du ménage. Si l'enfant se réinstalle dans le ménage du conjoint, la famille a une bouche en moins à nourrir. D'un autre côté, la perte d'un membre du ménage réduit potentiellement la production domestique et les revenus du ménage, si cette personne est engagée sur le marché du travail. En outre, dans certains pays, comme plusieurs pays d'Afrique subsaharienne, la famille de la mariée reçoit un paiement de la famille du marié au moment du mariage. Cette coutume est appelée le prix de la mariée. Dans d'autres pays, comme dans plusieurs pays d'Asie du Sud-Est, c'est la famille de la mariée qui effectue un paiement à la famille du marié. Cette coutume s'appelle la dot. On voit donc que le mariage d'une fille apporte à la fois des bénéfices et des coûts. En cas de choc météorologique défavorable, les ménages comparent les bénéfices et les coûts qu'ils auraient s'ils décidaient de marier leur fille. Ils la marieront probablement si les avantages sont supérieurs aux coûts. Récemment, Corneau et ses co-auteurs ont montré que dans les contextes où le prix de la mariée est coutumier, les jeunes filles dont les familles avaient connu une sécheresse sont plus susceptibles d'être mariées avant leur 19e anniversaire. Au contraire, dans les contextes où la dot est coutumière, l'occurrence de la sécheresse repousse le mariage des filles. Dans les zones où la pratique du prix de la mariée est coutumière, les effets de revenus et le coût d'opportunité incitent les ménages à hâter le mariage de leurs filles. L'effet revenu conduit les ménages à rechercher des sources alternatives du revenu et le prix de la mariée peut être une nouvelle source. De plus, le coût d'opportunité du mariage diminue lorsque la productivité des filles dans les champs baisse après un choc climatique négatif. Dans le cas des coutumes liées à la dot, les deux effets vont dans des directions opposées. La qualité du mariage peut également être affectée par les chocs météorologiques. Dans la région pauvre du sud-ouest du Bangladesh, un pays où la dot est coutumière, certains parents acceptent un partenaire moins désirable pour leur fille après un choc de revenus négatif afin d'avoir une dot moins élevée à payer. Les femmes qui se marient pendant les périodes sèches ont en effet des maris plus pauvres et moins éduqués, qui sont également plus favorables à la violence entre partenaires. En Afrique subsaharienne, Anne et Russ, en 2018, ont constaté que les femmes rurales qui ont été exposées à une sécheresse dans leur petite enfance sont plus susceptibles d'avoir un partenaire qui prend seul les décisions concernant les ménages. La réduction de l'âge au mariage dû aux sécheresses pourrait être associée à des changements dans la fécondité. En effet, il existe une forte relation entre l'âge au mariage et l'âge à la première grossesse. L'anticipation du mariage détermine l'anticipation de la première grossesse. Dans les pays d'Afrique subsaharienne, où le prix de la mariée est coutumier et où le mariage est anticipé en raison des chocs climatiques, Corneau et ses co-auteurs en 2020 ont constaté qu'une sécheresse entraîne une augmentation de 4% de la probabilité annuelle d'avoir un enfant avant l'âge de 18 ans et que le nombre d'enfants qu'une femme déclare est supérieur à 1% lorsqu'elle a été confrontée à une sécheresse pendant son adolescence. Les événements météorologiques peuvent affecter la fécondité par d'autres mécanismes que celui des grossesses précoces. Les chocs météorologiques peuvent affecter la fécondité par le biais d'un effet sur le revenu. Les parents peuvent choisir d'éviter d'avoir des enfants lorsqu'ils subissent un choc négatif sur le revenu, car ils ne peuvent pas prendre en charge un enfant supplémentaire. Par exemple, en Tanzanie, Alam et Portner, en 2018, constatent que les ménages décident de retarder les grossesses après une perte de récolte, pas nécessairement liée à la météo. Le comportement de fécondité pourrait également être indirectement affecté par les effets du choc météorologique sur la mortalité infantile que nous avons illustré précédemment. Les femmes pourraient raccourcir les intervalles entre les grossesses afin de remplacer les bébés décédés, augmentant ainsi la fécondité. Le coût d'opportunité est également à l'œuvre. La baisse de la productivité du travail après un choc météorologique négatif diminue le coût d'opportunité de la procréation.
Dessy et ses co-auteurs en 2019 trouvent qu'à Madagascar, l'occurrence d'une sécheresse détermine une augmentation de la fécondité peu après le choc pour les jeunes femmes, même en l'absence d'effet sur le mariage des enfants. Cet effet persiste sur le long terme. Les femmes malgaches ont une fertilité totale plus élevée lorsqu'elles ont fait face à un choc pluviométrique négatif à un jeune âge. Quels sont les effets intergénérationnels et à long terme des événements météorologiques? Dans la section précédente, nous avons analysé les effets à court terme des événements météorologiques sur un certain nombre de caractéristiques des enfants. Nous avons montré que les événements météorologiques négatifs survenant pendant l'enfance ont des effets directs sur les résultats scolaires et la santé, en détruisant potentiellement les infrastructures et en perturbant l'environnement sanitaire. Les événements climatiques peuvent également avoir des effets indirects sur l'éducation et la santé en modifiant le revenu des ménages et en changeant le coût d'opportunité de la scolarisation. La variation de la production agricole peut conduire les ménages à ajuster l'apport nutritionnel de leurs membres. Or, lorsque les enfants ne sont pas suffisamment nourris, ils sont en moins bonne santé et obtiennent de moins bons résultats à l'école. De plus, les enfants en moins bonne santé ont généralement de moins bons résultats scolaires. Les effets à court terme des événements météorologiques peuvent avoir des répercussions importantes à long terme. C'est l'effet à long terme sur la scolarité qui est évident. Dans la plupart des cas, les individus conservent tout au long de leur vie le niveau de scolarité qu'ils ont atteint dans leur enfance. Ainsi, si un enfant a été moins scolarisé ou a moins appris en raison d'un événement météorologique négatif, il aura un niveau d'éducation et des capacités cognitives moindres à l'âge adulte. L'éducation est également une variation clé pour expliquer l'autonomisation des femmes. Comme les chocs météorologiques limitent la scolarisation et l'apprentissage, ils peuvent avoir un effet durable sur l'autonomie des femmes. De plus, lorsque les filles anticipent le mariage en raison d'un choc climatique négatif, elles seront probablement moins autonomes car leurs maris sont plus susceptibles de prendre la plupart des décisions du ménage et de soutenir la violence entre partenaires, comme nous l'avons vu précédemment. En ce qui concerne la santé, les effets persistent également à long terme dans la plupart des cas. Comme nous l'avons vu précédemment, les chocs négatifs conduisent les enfants à grandir dans un environnement moins stimulant, ce qui a des répercussions importantes à court terme sur leur nutrition et leur état de santé. Mais l'état de santé à l'âge adulte est forcément corrélé à celui de l'enfance. Comme décrit dans la capsule sur la santé des enfants de ce cours, par exemple, les adultes valides et plus grands sont généralement ceux qui ont grandi en bonne santé pendant l'enfance. L'exposition à des événements climatiques extrêmes pendant l'enfance est donc susceptible d'influencer la santé des individus à l'âge adulte. Cela a été prouvé pour les femmes, tant en Indonésie par Machini et Yang en 2009, que dans les pays subsahariens par Island et Reuss en 2018, qui utilisent la taille des femmes pour mesurer leur état de santé à l'âge adulte. Selon ces auteurs, l'effet à long terme sur la santé est particulièrement visible en milieu rural, où l'impact des chocs météorologiques négatifs sur la production agricole et sur les revenus des ménages est plus fort. Les femmes qui ont connu un événement météorologique négatif dans leur petite enfance ont également une probabilité plus élevée de mourir pendant l'accouchement, selon Comfort en 2016. Enfin, Dinkelmann en 2016, a constaté que l'exposition à la sécheresse pendant la petite enfance en Afrique du Sud, au moment de l'apartheid, augmentait les handicaps physiques et mentaux plus tard dans la vie. La littérature économique a largement prouvé que le capital humain est une variable clé pour expliquer la productivité du travail. Et pour plus de détails, vous pouvez consulter les capsules sur la santé et la scolarité des enfants de ce cours. Les individus plus éduqués et en meilleure santé sont les plus productifs et sont donc en mesure d'obtenir un salaire plus élevé. Nous pouvons donc déduire que les événements climatiques vécus durant l'enfance sont également susceptibles d'affecter le revenu individuel à l'âge adulte. Certaines preuves existent dans la littérature à ce sujet pour les femmes. Machini et Yang en 2009 ont constaté par exemple que les femmes indonésiennes qui ont connu des chocs de pluie positifs au moment de la naissance sont moins pauvres à l'âge adulte. De même, Island et Reuss, en 2018, ont constaté que les femmes subsahariennes exposées à la sécheresse pendant leur petite enfance étaient moins riches à l'âge adulte. L'exposition à un choc météorologique dans la petite enfance pourrait avoir des répercussions intergénérationnelles. Cela passe d'abord par l'influence de la santé de la mère. En effet, le mauvais état de santé des femmes ayant souffert d'un événement climatique négatif dans leur petite enfance les conduit à donner naissance à des bébés de faible poids, comme le montre Island et Reuss en 2009. L'impact intergénérationnel passe également par la richesse du ménage et l'autonomisation des mères.
les ménages plus pauvres et les femmes moins autonomes investissent moins dans la scolarité et la santé de leur progéniture. L'existence d'effets de deuxième génération indique qu'il est important de mettre en œuvre des solutions pour atténuer l'effet des chocs climatiques sur la perpétuation de la pauvreté. Dans la dernière partie du cours, nous allons nous intéresser aux potentielles solutions pour limiter les effets négatifs des événements météorologiques sur le bien-être des enfants. Tout au long de ce cours, nous avons discuté de plusieurs mécanismes en jeu derrière les effets des chocs climatiques pour le bien-être des enfants. En fonction du choc et du canal par lequel il produit des effets négatifs, plusieurs politiques peuvent être mises en œuvre pour atténuer ces effets, à la fois ex ante, en tant que stratégie de prévention ou d'atténuation, et ex post, pour aider les gens à faire face aux conséquences du choc. Lorsque le risque d'événements climatiques extrêmes dans les effets perturbateurs importants est élevé, ce sont surtout les infrastructures qui doivent être améliorées ex ante. Si les bâtiments, les routes, le réseau électrique et les solutions de stockage de l'eau résistent à un événement climatique extrême, les effets néfastes du choc sur le bien-être pourraient être atténués. Les programmes de travail pourraient également accélérer le rétablissement de la zone et de sa population en faisant appel aux bénéficiaires pour réparer les dommages causés par le choc. Ce type de programme permet également de compenser la perte d'emploi due au choc. Les campagnes de sensibilisation aux bonnes pratiques en cas d'événements climatiques extrêmes sont également un outil important pour limiter les pertes de vies humaines. Nous avons vu qu'en affectant les revenus, les chocs météorologiques négatifs ont des effets néfastes sur la santé des enfants, la scolarité, le travail et le mariage. L'amélioration de l'épargne, du crédit formel et des marchés d'assurance pourrait aider les ménages à faire face à la perte de revenus sans désinvestir dans le capital humain de leurs enfants. Après un choc, les ménages peuvent compter sur leur épargne et ou sur les institutions formelles de crédit et d'assurance pour atténuer leur perte de revenus. Comme stratégie d'adaptation, certains membres du ménage peuvent travailler en dehors de l'exploitation familiale afin de diversifier les sources de revenus en cas de choc climatique, qui affecte principalement la production agricole, comme les sécheresses ou les inondations. Après le choc, le ménage peut compter sur ses membres pour fournir un revenu que l'on espère suffisant pour couvrir les dépenses de santé et de scolarité de toute la famille. Les ménages agricoles peuvent également utiliser des technologies agricoles plus résistantes, meilleurs systèmes d'irrigation et cultures plus résistantes, pour réduire la perte de revenus en cas de choc négatif affectant les cultures. Des solutions de stockage d'eau résilientes et bien gérées sont également un outil utile pour lisser l'utilisation de l'eau pour les cultures en cas de sécheresse et pour limiter les maladies vectorielles ou la pénurie d'eau. En outre, l'amélioration de la transmission des informations concernant les prévisions météorologiques peut aider les agriculteurs à anticiper un choc climatique en précipitant ou en reportant les plantations et ou les récoltes. Des transferts monétaires suffisants en espèces et en nature, conditionnés par la fréquentation scolaire et ou des pratiques sanitaires spécifiques, pourraient également être un moyen de limiter l'effet d'une baisse de revenus sur la scolarisation des enfants et les résultats sanitaires. Ces types de programmes réduisent également le coût d'opportunité d'aller à l'école au lieu de travailler. Comme l'a montré Dumas en 2020 et décrit plus haut dans le cours, l'accès à un marché du travail permettant d'embaucher des travailleurs non familiaux est un autre moyen important d'atténuer l'effet d'un choc de productivité positif sur le travail des enfants. Concernant la santé, outre les solutions de stockage de l'eau, certaines actions peuvent être entreprises pour limiter la détérioration de l'environnement sanitaire. Par exemple, des moustiquaires peuvent être distribués à l'inondation pour limiter la transmission du paludisme. Faciliter la réunification des familles après un choc climatique extrême est également important pour réduire son effet néfaste sur la santé mentale. Selon Baez en 2010, les politiques les plus efficaces pour aider les enfants à moins souffrir des chocs climatiques sont celles qui ciblent le plus précisément possible la population la plus vulnérable, c'est-à-dire les ménages agricoles dépendant de l'agriculture pluviale, les femmes et les enfants. Il convient d'accorder une attention particulière aux très jeunes enfants au cours des 1000 premiers jours de leur vie, la période qui s'étend approximativement de la conception à l'âge de 2 ans, car les chocs qui surviennent au cours de cette période sont ceux qui ont les effets les plus durables. Dans ce cours, nous avons présenté la littérature économique qui montre comment les enfants des pays en développement souffrent particulièrement des effets des événements météorologiques, extrêmes et moins extrêmes. Dans la diapositive précédente, nous avons montré quelles solutions peuvent être adoptées pour atténuer ces effets négatifs. Mais si les chocs météorologiques sont aujourd'hui de plus en plus fréquents et sévères, c'est parce que le climat change lentement, et cette tendance risque de continuer à s'aggraver au cours des prochaines décennies.
même si nous prenons des mesures drastiques maintenant. Il y a un assez long délai pendant lequel les gaz à effet de serre émis aujourd'hui resteront dans l'atmosphère. Il est donc urgent d'agir au plus vite afin de limiter l'augmentation des chocs climatiques qui affectent négativement le bien-être des enfants. Nous avons également mentionné brièvement dans le cours la littérature non économique, montrant que les événements climatiques à évolution lente, comme la montée du niveau de la mer, la fonte des glaciers ou l'acidification des océans, ont un impact négatif direct sur le bien-être des enfants. Tous les résultats existants indiquent clairement qu'il est urgent d'agir sur le climat, conformément à l'accord de Paris, afin de protéger le droit des enfants à la vie, à la survie et au développement, comme le stipule l'article 6 de la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant. Nous pouvons conclure en citant Save the Children, qui écrit: Le changement climatique se produit à un rythme alarmant et sans une action urgente, les enfants des générations actuelles et futures supporteront son plus lourd fardeau.